C'est parti, interview avec un militaire qui a rencontré des extraterrestres. C'est parti. On devait avoir Lionel Lou pour ce live spécial sur les ovnis extraterrestres. Et finalement, Lionel Lou s'est décommandé. Je crois qu'il a flippé, il a pété, comme on dit. Et à la place, j'ai été contacté par Robin sur Discord. Et Robin me dit que lui, il a été abducté, qu'il a rencontré les aliens. Donc on va lui poser des questions. Je prends le sujet au sérieux. Je me dis que là, peut-être qu'on a enfin un vrai témoignage legit. Donc on va lui poser beaucoup de questions. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Donc Guillaume, bonsoir. Julien Chaudet, bonsoir. Maxime Fessou, bonsoir. Johnny, bonsoir. Big Cam 69, bonsoir. Seth, bonsoir. Donc Robin, est-ce que tu es avec nous? Oui, est-ce que tu m'entends bien, Romain? Robin. Qu'est-ce que c'est que cette voix, Robin? J'ai lu ton MP, Robin, avec beaucoup d'attention. Ok. Donc, Robin, tu as été abducté, c'est bien ça? Non, mais... Déjà, il faut juste que je sache. Que tu saches quoi? Tu as accepté de m'inviter pour te foutre de ma gueule ou pour m'écouter sincèrement? Je t'ai invité pour t'écouter avant tout. J'ai vu ton titre de merde, là, malade mental. Oui, bah écoute, après, faut se vendre un petit peu sur Internet, tu sais comment ça se passe. Bon. Tu peux changer le titre ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je mette comme titre? Bah, pas malade mental, je vais te raconter mon histoire, c'est pas pour que tu te foutes de ma gueule. Est-ce qu'on peut laisser le titre tel quel et je changerai peut-être après? Déjà, je t'avais dit dans mon titre que moi, j'étais pas là pour qu'on se foute de ma gueule. Le public jugera. Le public va juger. Mais en tout cas, si le diagnostic est que tu n'es pas un malade mental, je changerai le titre, c'est une promesse. Ah, mais tu comprends, ça donne pas très envie de parler après, quoi. Alors, fallait que je mette quoi en titre? Témoignage, un truc neutre, parce que là... Je sais pas, ça donne pas très envie, quoi. On fait comme s'il y avait pas de titre et on passe à l'interview. Ça te dit, après je changerai le titre. Ouais, mais je sais pas, je croyais que t'étais pas comme ça, quoi. Bah écoute, ça démarre mal, c'est pas grave. Robin, est-ce que tu as été abducté par des aliens ou pas? Non, mais je vais le dire, mon témoignage, mais c'est pas pour qu'on se foute de ma gueule, je veux juste mettre les choses au clair. D'accord, bah écoute, personne se foutra de ta gueule, tout le monde va rester sage dans le chat et écouter ton histoire. Bon, bah comme je t'ai dit dans mon MP... Moi, je m'appelle Robin, je suis militaire. Et tout simplement, t'as demandé sur le Discord est-ce qu'il y a des témoignages sur des abductions. Moi, il m'est arrivé une expérience et je voulais la partager avec les gens parce que moi, j'ai fait de la psychiatrie pour ce qui m'est arrivé. On ne croit pas parce que le gouvernement cache quelque chose aux gens. Et ce truc-là, je suis prêt à le dire ce soir, mais pas pour qu'on se foute de ma gueule. Alors, qu'est-ce que le gouvernement cache aux gens? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je suis militaire. D'accord. La suite? Tu comprends ce que ça veut dire? T'es militaire, oui. C'est que t'as un béret et t'as un flingue. Non, ça veut dire que moi, je suis tenu au secret de la défense nationale. Ah oui, alors pourquoi tu as choisi de parler ce soir? Pourquoi? Bah parce que quand on est militaire, on n'a pas le droit de s'exprimer sur ces choses-là. D'accord, mais pourquoi nous? Pourquoi pas d'AWAM HD? Parce que moi, je vous suis, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait l'interview de quelqu'un qui était électrosensible. Et je suis un petit peu vos émissions de temps en temps. Et je t'ai envoyé le MP pensant que t'étais un mec plutôt sympa. En fait, je vois que tu te fous complètement de ma gueule. Pas du tout, Robin. Pas du tout. Je suis ce qu'on peut appeler sceptique. Mais si c'est ça, ça me va. Mais malade mental, non, ça me va pas du tout. Parce que moi, j'ai fait de la psychiatrie pour ça. Donc tu m'attaques directement, personnellement. Comment tu veux que je réagisse à ça? Tu as fait de la psychiatrie? Oui. C'est-à-dire de la psychiatrie? J'ai pas compris. C'est-à-dire que moi, on m'a interné plusieurs temps pour ces témoignages-là. D'accord. Oh bah très bien, maintenant écoute. Moi je suis militaire, donc déjà je tiens à m'excuser auprès des gens, mais je dois témoigner de manière masquée. Robin, ça n'est pas mon vrai prénom. Ah oui, Robin n'est pas ton vrai prénom.
Non, ça n'est pas mon vrai prénom et je ne déclinerai pas mon identité. La seule chose que vous pouvez savoir ce soir sur mon parcours professionnel, c'est que je suis militaire. Je ne dirai pas d'où précisément. T'es toujours là, BG? Allô? Allô? Non, mais tu vois, c'est pour ça aussi. Moi, franchement, je me casse. Le copain, pardon, je suis là. Non mais tu sais qu'on fait le connard, c'est pas la peine. Robin, excuse-moi, j'ai eu un petit fou rire, mais tout va bien. Donc Robin, tu es militaire, tu as fait de la psychiatrie, et tu as vu des... Non mais réponds maintenant, c'est pour se foutre de ma gueule ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais si on peut rigoler au passage, c'est encore mieux. Si les gens peuvent écouter au moins ce que j'ai à dire, ce sera pas mal. Voilà, les gens vont écouter ce que t'as à dire. On écoute, Robin, on écoute ton histoire. Ouais, mais je sais pas, j'y arrive plus, quoi. Comment ça, t'y arrives plus? Je sais pas, je me sens comme un dindon de la farce. Pas du tout, Robin, pas du tout. Alors, quand est-ce que tu as rencontré la... Non, mais pourquoi tu veux ce témoignage? Dis-moi la vraie raison maintenant. On veut un témoignage alien pour savoir s'ils existent bien ou pas. On se pose encore la question en 2019. Non, mais t'as lu mon message privé sur Discord ou pas? J'ai vu ton message privé sur Discord, sinon je t'aurais pas... Alors pourquoi tu rigoles? Mais bah, écoute, après c'est nerveux, Robin. Non, mais je t'ai dit, si c'est pour faire le connard, c'est pas la peine, je reste pas. Non, non, je vais bien me comporter, c'est promis. Putain! Je vais écouter ton histoire et rester très calme, Robin, c'est promis. D'accord? Ouais, mais c'est pas pour se foutre de ma gueule. Non, 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 c'est promis. Parce que les enculés qui se moquent des gens qui ont fait de la psychiatrie parce qu'ils sont fabriqués, je ne tolère pas ça. Certes, je comprends ton point de vue. Moi, je suis militaire, moi. D'accord. Donc Robin, tu as vu des aliens, ils existent vraiment. À quoi ils ressemblent? Est-ce que tu peux nous décrire un alien? Un extraterrestre, ça ressemble à quoi? Non mais ça marche pas comme ça mon témoignage. Comment ça, ça marche pas comme ça? Tu les as vus tous les... Il y a un ordre chronologique. Il y a un ordre chronologique. Eh ben vas-y, je t'écoute alors. Non. Moi je suis militaire. Ça, on l'avait compris. Je suis affecté à la surveillance spatiale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une unité dans l'armée de l'air. Oui. Qui s'appelle le Centre d'observation des objets spatiaux. Et vous observez quoi? On observe tous les corps célestes, tous les objets spatiaux qui peuvent potentiellement menacer le territoire français. D'accord, parce qu'il y a des ovnis qui gravitent là dans l'espace stellaire et ils vont peut-être nous attaquer, c'est ça? C'est des ovnis au sens militaire, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. Ça peut être des missiles russes, ça peut être des débris dans l'espace, ça peut être toutes sortes de choses. Et la France, elle a une unité dans l'armée dédiée pour surveiller cet espace extra-atmosphérique, d'accord? D'accord. Ça, tu comprends ça? Ça, je le comprends. Le truc qui s'est passé, c'est que moi, je suis affecté là-bas. Un jour, je suis affecté sur une base avec des grosses antennes. Tu comprends jusque-là, hein? Oui, je comprends, Robin. On a eu un problème de connexion, je comprends. La suite, donc il y avait une base avec des antennes. Qu'est-ce qui se passe là?
Est-ce qu'on pourrait entendre ta voix mais sans le déformateur, Robin? Non mais moi c'est le déformateur qui me fait marrer. Robin, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur cette histoire de base avec des antennes? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Robin, qu'est-ce qui se passe alors? Je t'entends plus, Robin. Allô? Robin, on n'entend rien, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il se passe dans les bases extraterrestres françaises? C'est quoi cette histoire d'antenne? Tu pas mieux. Je ne sais pas trop bien ce qui se passe. Non, mais comment on peut rester sérieux avec ça? C'est quoi cet autotune? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je veux une interview sérieuse. Tu l'as dit, Robin. As-tu vu des extraterrestres ou non? Ah oui, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Je comprends. Jusque-là, j'ai compris, Robin. Donc je te disais par rapport à tout ce que je te disais. Est-ce qu'on peut reprendre l'histoire? L'histoire, elle est très simple. Oh, d'accord. Simple, c'est que fondamentalement, j'étais dans l'armée. Tu comprends la J'ai compris l'armée, oui. Ça, j'ai compris. Je pense qu'on a tous compris. Oui. Et j'étais dans l'armée. Et j'étais abducté par des aliens. D'accord. Et c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. D'accord. C'est tout ce que tu avais à nous raconter. Ton histoire complète, c'était ça. Je suis militaire, j'ai été enlevé. Non mais d'accord, mais...
c'était tout ce que t'avais à nous dire. T'as pas prévu plus que ça. Non, mais si t'as des questions, vas-y. Des questions, mais attends. T'as même pas posé sur un début d'histoire. T'as même pas posé sur un début d'histoire, mais... Elle est belle, la c'est mon histoire. Ah oui, c'est mon histoire. C'est une très belle histoire. Tu pouvais pas, je sais pas, noter quelques trucs, mais c'est un petit peu, non. Si t'as des questions, c'est le moment. Eh ben, je crois que plus personne n'a de questions. Je crois que c'est un bide intersidéral. Ça, tu l'as pas eu, ni avec tes antennes.